Pour 2018, nous sommes positifs sur les actions émergentes asiatiques. Alors, d'une part, la croissance économique de la région est la plus forte du monde. Nous avons en plus des entreprises qui ont moins investi, qui ont géré leur activité de façon plus efficace et donc qui font une croissance bénéficiaire beaucoup plus intéressante, avec des marges aujourd'hui qui sont en train d'augmenter. Et malgré ces deux avantages, finalement, des valorisations qui restent très en dessous de celles des actions mondiales.